Je fais donc un single sing challenge. Je ne peux contrôler que le bambin. Je dois lui faire faire trois tâches dans sa vie de bambin qui sont devenir bons amis avec ses parents et maîtriser le pot et maîtriser deux autres. Comment dire? Deux autres compétences bambin. Donc j'ai déjà maîtrisé le pot. Au niveau de l'amitié avec les parents, c'est bon. Il me manque juste un deuxième. Comment dire? Une deuxième compétence, puisque j'en ai déjà validé une. Donc, on est parti. Alors, j'espère que ce coup-ci, comme je disais, ils vont bien me donner à manger et pas me laisser mourir de faim sur ma chaise. Donc, on va accélérer un petit peu, puisque pour l'instant, la petite dort et que je ne peux pas contrôler les autres. Bien qu'ils aillent dormir pour que je puisse passer en vitesse accélérée. Je vous rappelle aussi la dernière fois, on se demandait comment ça allait se passer pour les factures. Vu que je peux pas contrôler les parents, est-ce qu'ils vont pouvoir aller payer les factures ou pas, ça reste le grand mystère. Sinon, on va vivre sans électricité, ça va être sympathique. Au moins jusqu'à ce que je sois ado. C'est pas gagné tout ça. Alors. Allez, vous voulez pas aller dormir, non? Ah, donc il faudra que demain, il y ait quelqu'un qui donne un bain à Lola. Sinon, elle va se sentir pas terrible. Alors, voilà, les parents sont contents. Give love, vie. Ils veulent toujours pas aller dormir. Allez. Bon, et c'est un peu long les phases où ils dorment quand même. Hein. Voilà, mais le problème c'est quand les deux vont aller se coucher, il y a le gamin qui va se réveiller, quelque chose dans ce genre-là. Et on n'aura pas pu passer en super vitesse. Bon. De toute façon, bon, je vais bientôt me réveiller. Donc en se réveillant, on ira sur le pot et puis on va jouer un petit peu. Qu'est-ce qui manque? Mouvement. Allez hop, va pour mouvement. Construire une tour. Voilà. Et puis quand ils se réveilleront, je leur demanderai. Ah ouais, puis alors du coup, ils peuvent pas aller aux toilettes parce que les toilettes sont cassées. Je peux peut-être... Ouais, voilà. Hop, je suis généreuse. Je leur remplace... Je leur remplace les toilettes qui sont cassées parce que je suis gentille. Voilà. Allez, on va pouvoir se lever bientôt. Le père n'est toujours pas couché. Il n'est pas motivé. Ah, bah voilà. Donc c'est ce que je disais, le père va aller se coucher, le fils vient de se lever. Demande à d'autres enfants de te rejoindre, mon petit. Voilà, c'est bien. Ah, ça y est. Donc je suis debout, ça tombe bien, j'ai envie d'aller aux toilettes. Est-ce qu'il y a un adulte dans le secteur? Il est où le père? Il est là. Ah, on va peut-être lui demander à manger avant d'aller jouer parce que... Comme ils sont toujours un peu longs à accéder à mes demandes, je vais peut-être aller lui demander. C'est nous qu'on demande à manger. Nourris-moi, s'il te plaît. J'ai pas, hein. J'ai pas. Je peux pas. Et sur la chaise, demander à manger. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Oula, j'ai les cheveux qui font des choses bizarres. C'est rien. Mes cheveux, ils ont une volonté propre. Hein. On dirait Marie à tout prix. Mais je vous assure que c'est pas le cas. Mon Dieu. Alors, on en était où? Allez, donne-moi à manger. Voilà, merci. Merci.
Est-ce que j'abuse en lui demandant de me laver ou... J'ai peur que ça fasse beaucoup pour lui, hein. Allez, on est des fous, on demande un bain dans la foulée. Allez. Voilà, il mange, il me parle, il est content. Allez, hop, hop, hop. Le travail. Moi, j'ai... Bon, allez, là, au lieu de discuter, mange. Ah, Clément part à l'école, magnifique. Bon, allez, il m'énerve à discuter. Je veux juste un bain. Je veux pas parler. Je veux que tu me donnes un bain après m'avoir donné un... Oh, c'est pas possible, il s'est barré. Il est parti se coucher. Magnifique. Il m'a laissé dans ma chaise haute. Il est barré. Voilà, donc moi je suis au bout de ma vie, je pleure tout ce que je sais, je veux descendre. Et il n'y en a pas un qui réagit, c'est normal. Tout va bien. Descends-moi, s'il te plaît. La chaise est dégueulasse, personne ne la nettoie. Ça va devenir un dépotoir ce truc. Ça y est, il m'a descendu, il m'emmène au bain, magnifique. Non, il m'emmène pas au bain. Eh ben dis donc, je sais pas si on va s'en sortir. En combien de temps je passe Ouais, putain, la route est longue encore. Hein. 20 jours, oui, parce que je rappelle qu'on joue en partie. Ah bah, merci beaucoup, c'est gentil. Thank you so much. Ça fait plaisir. Alors, ça y est, il m'emmène au bain. Youhou! Magnifique! C'est compliqué hein, de pouvoir rien gérer et de laisser le. Enfin, d'être obligé de laisser les Sims gérer tout seul quand on sait que. Enfin, l'autonomie, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est pas ce qu'ils maîtrisent le plus, quoi. Ah, peut-être pouvoir aller avancer un peu sur les compétences après, quand même. Ça serait pas mal. Les compétences de Mademoiselle Lola. Allez. Ok, toujours au bain. Ça y est, t'as fini. C'est bon, j'ai plus besoin de toi. Je suis tout dans le vert. Merci bien. Allez. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, après, on essaiera quand même de finir les deux autres, même si... envie de Sims. Ah, ok, magnifique. Comme ça, si on maîtrise tout, c'est pas mal pour la suite. Allez. Ah oui, il dort. Voilà, c'est comme ça qu'on surveille les enfants, tiens. En dormant. Bon, on va accélérer un petit peu, là, parce que... Le courrier. Ah bah voilà la bonne blague. Est-ce qu'ils vont aller payer les factures? Parce que moi je... Non, moi je peux pas les payer. Est-ce que je peux les payer comme ça? Non, je peux pas les payer. Bah là je crois qu'on n'est pas bien parce que je pense qu'ils vont pas aller payer les factures tout seuls. Donc on n'est pas bien du tout. Je sais pas si je peux les influencer ou un truc comme ça, non? Action. Amicale. Non, je crois qu'ils vont pas payer et qu'on va plus avoir d'électricité dans pas longtemps. Ça va être drôle cette histoire, ça va être drôle. Je sais même pas si une fois au stade enfant, je vais pouvoir aller la payer la facture, moi. Et sur un ordinateur, parce qu'on n'a pas d'ordinateur, donc comme ça, ça résout le problème. Mais... Est-ce que je peux pas payer sur un... On a un piano, mais on n'a pas d'ordinateur. Bon, bah, je sais pas comment on va faire.
On verra bien. On va attendre un petit peu. On va attendre, on va les laisser gérer. Pourquoi tu t'arrêtes de monter ta tour à chaque fois? T'as cru que c'était la fête? On y est presque. On est à 78%. Allez, allez. Après ça, tu auras fini ta dernière tâche. Et tout le reste, c'est du bonus. Et on a marre des cubes. T'avais pas une tablette dans le temps? Ah, il a la tablette. Allez, si tu veux, tu peux faire autre chose. Allez, hop. On va finir ça. Non, je peux pas payer les factures missing. Je peux pas. Je sais pas comment faire, mais a priori, je peux pas. J'ai essayé de cliquer sur la boîte aux lettres, mais bon, voilà, ça veut pas. Je vais essayer d'acheter un petit ordi, mais à mon avis, ça vaudra pas non plus avec le bambin. Je vais pas pouvoir m'en servir. Mais je crois que ils vont pas aller la payer en fait. Donc on va se retrouver sans électricité. J'espère qu'ils vont quand même pouvoir me nourrir. On verra. On verra. C'est pas gagné cette histoire. C'est pas gagné. Après, qui a besoin vraiment d'électricité? Je veux dire, c'est pas non plus. Voilà, bah c'est la faute. C'est la faute à la petite fille alors. Ok. C'est arrivé en retard. Bah écoute, la prochaine fois que tu la croises, tu lui diras d'arrêter de te courir dans la rue et puis. Et puis voilà. Il y a des priorités, quoi. Tu dis que t'as un live et puis que t'es obligé d'y aller. Bon. Bon, on va valider la troisième tâche. Donc, on n'a plus rien d'officiel à faire. Tout le reste, c'est du bonus. On va voir comment ça se passe avec cette histoire d'électricité, enfin de facture, du moins, parce que je peux pas les inciter à payer leurs factures. Donc, on va voir comment ça se passe. Je sais pas trop. Alors ensuite, on va peut-être s'occuper un peu de ses besoins. Allez, sur le pot. Je te ferais bien faire une petite sieste comme ça. Hop, tu peux y retourner. Elle ramène des sous, c'est bien. Comment elle dort, elle? D'accord. Fais la sieste en travers. Normal. Pas de soucis. C'est comme chez toi. Ah tiens, du coup, j'ai pas été voir le nouveau lit qui est arrivé avec le patch de tout à l'heure. Je vais aller jeter un oeil. Alors, hop. Hop, bambin, bambin. Alors, il est où ce nouveau lit? Ah, ça doit être ça. Le plus petit des grands lits. Ah ouais, bon, bon. C'est un lit bambin, quoi. Voir les couleurs, mais c'est pas bon, ça fait un peu bon, c'est pas mal. Bon, on va lui laisser celui-là en attendant. Je vais acheter un petit ordinateur, voir s'il y a moyen de moyenner à la place du piano. Tiens, parce que d'ici que j'apprenne le piano, on achètera un synthé, hein. Allez, hop, un bureau. On va pas y mettre trop cher parce que on va y mettre cher parce qu'il y a des factures qu'on peut pas payer à payer et un ordinateur le moins cher possible. Hop, ce vieux machin là. Voilà, donc on va voir si ça marche mieux via l'ordinateur. Ah d'accord, donc il est transportable dans l'inventaire. D'accord, bah écoute, quand on ira explorer la jungle la semaine prochaine, on saura quoi emmener. Oui, non, donc effectivement, je peux pas les inciter à payer les factures. Par contre, je commence à avoir la dalle, donc on va réclamer à manger. Ah oui, donc il faut que j'enlève ça, je pense. Voilà.
et demander à manger à mon père, parce qu'il est en train de me faire à manger, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, il y a même à manger par terre, c'est bien. C'est pratique, il n'y a qu'à se servir. Bon, bah, si tu veux m'y mettre toi à la place, vas-y. Alors, ce qui va me servir à moi. Est-ce que quelqu'un va la nourrir, cette enfant? Oh là, quand je vois l'état de la chaise. Alors, ce soir, ça sera un sandwich confiture beurre de cacahuète. Toujours dans le repas équilibré et. Eh bien. C'est bien, c'est bien. Je pense que ces Sims sont un modèle d'éducation et voilà. Ça va faire des bons Sims, ça. Ils me laissent mourir de faim sur ma chaise. Quand ils me donnent à manger, c'est des sandwichs aux confitures. À la confiture, pardon, et au beurre de cacahuète. On est bien, on est bien. Bon, arrête de causer à ton père, là, c'est bon. Avance. Allez. Il y a moyen de me descendre de là, s'il vous plaît. Prendre dans les bras. Ouh, madame. Prendre dans les bras. Youhou. Non, bah tu vois, je demande à manger au père, c'est la mère qui me donne à manger. Je demande à la mère de me sortir de la chaise, c'est le père qui va. C'est pas gagné, hein, tout ça. Allez hop, au lit. Dormir. Et hello, Asbi. C'est comme ça que ça se dit. Bienvenue par ici. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que c'est un single Sims challenge. Donc, je ne peux contrôler que le bambin dans cette famille. Et ce, bah, voilà, du stade bambin. Tu veux pas me lâcher, s'il te plaît, couche-moi. Vas-y. Demander une histoire. Voilà. Lis-moi une histoire. Donc voilà, du stade bambin jusqu'à sa mort, je ne peux contrôler que ce Sims-là. Allez, puis allez tous vous coucher, comme ça le temps passera plus vite. Voilà, une histoire, ça va faire monter l'imagination, magnifique. Allez, au dodo. Bon, bah, le frère dort déjà, il n'y a plus que les parents à coucher. Voilà, plus que la mère, on va y arriver. Est-ce qu'on va avoir les quatre qui dorment en même temps? C'est le challenge dans le challenge. Mais non, ils vont pas mourir, Missing. Ils vont. Ils vont pas mourir. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Ils vont pas mourir. Mais non, ils vont pas tous mourir. C'est arrêté. Ayez confiance en moi, ayez la foi. Ouais, ils dorment tous en même temps, magnifique. Non, ils vont pas tous mourir. Ils vont tous être à court d'électricité, ça c'est sûr, parce qu'ils payent pas leurs factures. Mais ils vont pas mourir. Ils mangeront des yaourts et des céréales, c'est tout. Toute façon, ils me filent à bouffer des sandwichs à la confiture le soir. Alors, on n'est pas à ça près, hein. Allez, allez sur le pot. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Mystique. Et je sais pas trop quoi y faire là, tout de suite. C'est un problème.
Alors, on va laisser dormir un petit peu, puis après, il ira sur le repos. Pourquoi? Parce que quand on ne paye pas les factures, on n'a plus d'eau ici, en fait, c'est ça? On ne peut plus prendre les bains, les douches et tout ça? Je t'avoue que j'ai jamais essayé, j'ai toujours fait payer des factures à mes Sims, donc je sais pas. C'est nouveau. Alors j'ai faim, est-ce qu'ils vont me nourrir? Demander à manger. Hey, est-ce que la mère nourrit mieux que le père? C'est une bonne question. Déjà, mais sur la chaise rapidement, c'est bien. Qu'est-ce que... D'accord, ouais, donc plus de bain, rien du tout. Magnifique. Magnifique. On va se croire dans un appart avec des bambins. Bah oui, un sandwich jambon fromage au petit-déj. Normal. Pas de problème. Fais-toi plaisir. Ok, mais écoute, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, elle m'énerve à parler avec son père dès qu'elle est sur cette chaise. Mange, tais-toi. Après, tu lui demandes de te descendre. Voilà, alors, attends, prendre dans les bras. Et qu'est-ce que t'as fichu tête? Allez, va à la tablette. Jouer à bric à bloc, on va finir. Ah non, non, on a déjà fait. Ouah, on a déjà fini. Dessiner avec le lama. Ce sera pas mal, ça. Allez. C'est parti. Ce que ça donne. Ah, il faut toujours que vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'électricité ne soit coupée. Tu vas pas payer les factures, s'il te plaît. À payer. Au lieu de me regarder jouer, là. On peut pas, hein. Action. Non, Annika. Bah non, on peut pas. Bon, bah tant pis. Hein. Bah, c'est pour y être... Ah. Allez, pour faire plaisir à Missing, spécialement pour toi, je fais venir la nounou. Parce que je sais que t'aimes bien quand il y a la nounou. Ah, c'est toujours le même. Oui, bah on va pas anticiper. On va déjà prendre l'électricité. Voir ce que ça donne, mais c'est pénible ça de pas pouvoir. Oh, ça, on s'en fiche de toute façon. Alors. Voilà, il est responsable. C'est bien, il fait ses devoirs. Ok. Bon, écoute, lâche-moi la nounou là. Allez, on va envoyer sur le pot et dormir. Voilà. Et ben, je sais pas à partir de quel moment je vais pouvoir aller payer les factures. Je sais pas si enfin je peux déjà servir du téléphone pour payer les factures ou pas, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, je peux pas. J'ai tout essayé. J'ai essayé avec le téléphone. J'ai essayé en essayant d'inciter mes parents, mais je peux pas. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir.
Eh ben écoute, non, j'ai relu les règles. J'ai relu les règles tout à l'heure et il n'y a absolument rien d'écrit sur les factures. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Normalement, j'ai vraiment pas le droit de prendre. Comment dirais-je? De prendre le contrôle d'un SIMS, même pour ça, il n'y a que pour le débugger si jamais il reste coincé dans une certaine position. Mais là, pour les factures, ils n'en parlent pas. Donc j'irai peut-être chercher après le live, voir si je peux poser la question directement à ceux qui ont créé le challenge. Parce que si effectivement je ne peux toujours pas faire payer les factures en étant enfant, ça va quand même être super compliqué. Enfin, clairement, je vais avoir l'impression d'être dans un appo, quoi. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de. Rien, quoi. C'est la dèche. Allez, on va avancer un petit peu. Ah, j'ai faim. Attends, réveille-toi. Demande à manger. Tiens, le père est rentré. C'est parti. Allez, on y va. Let's go. Alors, qu'est-ce que je mange là? Pour une fois. Céréales, voilà. Toujours 5 fruits et légumes par jour. Ici, ils connaissent bien. Pourquoi ça y est, j'ai mangé. Bonjour, quelqu'un pourrait me descendre de la chaise, s'il vous plaît? Non, je veux pas un bain, je veux descendre. Hop, ça, on s'en fiche. Voilà, non, bah, comme d'hab, je suis coincée sur mes chaises. Ah, hop, viens ici, toi. Tiens, voilà. Bonjour, merci. Merci monsieur. Allez, au dodo. Attends, on va demander un bain avant qu'on ait plus d'eau parce que. S'il vous plaît. Juste un bain. Ah, déjà, je suis sympa, je leur remplace les éviers et tout dès qu'ils sont cassés. Allez, c'est parti. Quand tu veux, tu me. Non, tu veux pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Non, je m'en fiche, je sais qu'est-ce que c'est. Je veux un bain! Et puis d'eau, quoi, déjà? Faire serveur, on s'en fiche, j'ai même pas lu la question. Qu'est-ce que c'est ici? Ben non, il m'emmène au lit. Non, bah ben, il veut pas me laver. Je veux dire, il veut pas, hein, on va pas. Peut-être il est allergique à l'eau, il sait pas, hein. On sait pas, on sait pas. Pas, me laverai demain. Dans les flaques. Tout est normal. Voilà, hop, on va accélérer. Ce serait bien que tout le monde aille se coucher. Voilà, magnifique. Pour une fois qu'il m'écoute, c'est quand même assez rare. Voilà, ils se couchent tous les trois. Il faut que lui se réveille. Avec un monstre sous le lit. Écoute, débrouille-toi, je peux rien pour toi, moi. Voilà, réveille toute la baraque, c'est bien. Fais comme chez toi. Bon. Hop. Allez, sur le pot, qu'est-ce qui manque? Imagination et réflexion. Allez hop, imagination. Il conseillait dans les règles de mettre la durée de vie sur longue, mais franchement, en tout cas pour l'instant au stade bambin, je trouve que c'est long parce que les tâches auraient largement pu être effectuées en stage de vie normal. Donc on verra pour les autres s'il y a vraiment besoin que ce soit en long parce que. C'est un chocolat. Ah ben. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas si l'évier fuit quand il n'y a plus d'eau, mais les connaissant, il y a des grandes chances pour que ça continue à fuir même quand il n'y a plus d'eau. Et oui, c'est effectivement un chocolat et pas un café, parce que je ne bois pas de café.
Voilà, dans une jolie tasse, les Sims, c'est magnifique. Un beau lama avec une magnifique, un magnifique prisme. Voilà, c'est bio. Bien sûr, je viens de me rendre compte qu'on ne voyait pas grand-chose à la caméra. Merci au fond vert. Mais voilà, c'est une superbe tasse, les Sims, que vous pouvez acheter sur la boutique des Sims. Et autant préciser que qu'il y a d'autres modèles sympathiques aussi. Et comme je suis fan de mugs, il y a des chances pour que j'en recommande. Oui, missing en long sans payer les factures. Je suis déjà au bout de ma vie. Il va vraiment falloir, après le live, que j'aille poser la question sur le forum de Sims Community parce que je pense que je vais pas tenir sans eau, sans électricité. Enfin, j'ai de la chance déjà, il n'y a pas l'huissier qui passe récupérer des meubles, des choses comme ça. Oui, ça aurait pu être un thé, mais je ne bois. Sauf que je ne bois pas de thé en fait. Je bois pas de thé, pas de café, je bois du lait chaud et dans du chocolat, mais c'est tout. Alors, on en est où sinon? Passer cet intermède culinaire. J'ai faim. Allez, hop, s'il te plaît. Il travaille jamais, tu bosses jamais, toi. Toujours là, c'est bien, je faisais un bon métier. Interview en classe, Clément, on s'en fiche, je fais de l'humour. On s'en fiche. Allez, je suis en colère. Bah oui, j'ai la dalle. On rigole pas avec la bouffe, hein. Le thé au citron coréen. Ouais, mais alors il n'y a pas de citron coréen par chez moi. De la compote de pommes à 10 h. Bon. Ça passe. Non, je n'ai pas de thé au citron coréen par ici. Je ne peux pas te dire si je trouve ça bon ou pas. Je ne connais pas. Bon, allez. Allez, mange. Vas-y, raconte ta vie à ton père, de toute façon. Ah, voilà. La compagnie d'électricité Plenosas a coupé l'électricité dans votre maison. Payez vos factures pour la récupérer. Ça y est, on est dans le noir.